Il était un peu vexé. Bah, disons, contrairement à ce que tu me disais, que non, moi j'avais attrapé le boulard. Non, non, mais il faut que je réponde. Tu me disais que j'avais attrapé le boulard. Je pense là, hein, je ne suis pas Denis Brognard. Non, mais d'accord. Alors oui. Bon, déjà, ta petite attaque n'est pas sympa, mais si aujourd'hui. Je me suis posé la question, je n'ai pas donné une affirmation. Mais je vais te répondre. Il se lever là, je pense. Allez, pas du tout. Répondez-lui. Non, non, mais je réponds pas du tout parce que Cyril ne m'a pas embauché. De toute façon, je n'ai pas posé mon CV. Et si demain, je devais avoir le boulard, je ne l'ai pas eu à 20 ans, je ne l'aurais pas à 41 ans. Et si effectivement j'avais le boulard, je pense que je ferais des doigts d'honneur aux téléspectateurs et j'insulterais les handicapés. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose. Vraiment. Non, non, mais ne fais pas l'étonner. On est en cours d'école, d'accord. Oui, c'est pas grave, cours d'école. Alors, assieds-toi et écoute, mon enfant. Lâche-toi. Le truc, c'est qu'à l'époque, tu disais que tu regrettais d'avoir fait des choses avec Coé, forcément, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur toi, comme à l'époque, avec cet acharnement qui est sur toi vis-à-vis de l'ITV que tu as eu avec Pharrell Williams. Ouais. D'accord. Et ça a même un peu atteint un paroxysme que c'est venu même chez ta maman et compagnie. Ouais. Tu avais dit que je reçois des menaces de mort et compagnie. Alors, maintenant, mets-toi à la place, quand vous êtes en train d'avoiner les gens de télé-réalité, certes que moi-même, que je cautionne pas sur certaines émissions, parce que ce ne sont pas mes valeurs de balancer de la bouffe et les mettre... Ah, justement. C'est parce qu'on va jouer à Koh-Lanta, tu sais. C'est pas grave, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais là, c'est un jeu. D'autant plus que vous avez le droit de donner un avis critique, mais vous n'avez pas le droit, parce que toi, aujourd'hui, tu as une tribune. À ton siège, c'est parfait. Mais demain, le jour où tu trouveras sur un tabouret et qu'effectivement, tu as l'appui aussi de Cyril, les autres, eux, ils n'ont pas cette tribune-là. Ils ne peuvent pas se défendre comme toi. Tu as pu te défendre vis-à-vis de Pharrell Williams ou vis-à-vis aussi de Coé. C'est mon métier de le faire. Oui, mais c'est ton métier, mais ce n'est pas ton métier d'insulter. Alors, je n'insulte pas, je fais mon métier. C'est là où ton cerveau est limité. On est une émission de divertissement. C'est gentil pour mon cerveau. Je suis content d'avoir Moundir. Et Nora, faites un petit bisou à Moundir. Allez, le bisou, allez, Moundir, c'est mon bébé. Le bisou. Allez, faites-moi un petit bisou.